Air Products est un producteur-distributeur de gaz industriel. Donc, on répond au travers de nos produits et de nos solutions et de nos services à l'ensemble des besoins des différents secteurs d'industrie. Air Products est présent en France depuis plus de 100 ans. Air Products est le leader mondial de la production et de la distribution de l'hydrogène, à la fois pour les industries et également pour les marchés tels que la mobilité. Soit de l'hydrogène gazeux, soit de l'hydrogène liquide. On est à la fois producteur d'hydrogène gazeux comme d'hydrogène liquide, du coup, on a la possibilité de pouvoir distribuer ces deux produits. Ça a beaucoup de sens, notamment vis-à-vis du marché qui est en train d'évoluer, parce que ce marché va probablement démarrer avec des besoins qui seront relatifs au démarrage d'un marché en phase de jeunesse et qui atteindront probablement des besoins très importants à terme. Et pour ça, il faut être capable de pouvoir déployer des solutions de genre multiple. Donc en production, on est effectivement capable de répondre, du fait de notre expérience, à des besoins de petite production comme de très grosse production. Donc en fonction du cahier des charges client, on va identifier la solution qui est la plus adaptée. Donc ça peut se faire au travers d'une production dite centralisée ou décentralisée. Ce sera vraiment à l'étude du projet qu'on définira le besoin. L'avantage qui nous caractérise, c'est encore une fois cette expérience que l'on a pu acquérir au fil des années, qui nous permet de correctement identifier le besoin et d'adresser les solutions de production correspondant. Pour ce qui est des stations à proprement parler, on a déployé trois types de stations. Première station que l'on appelle des stations mobiles, qui sont finalement des stations qui vont permettre la réalisation d'essais ou alors de campagnes de tests sur des durées plus ou moins importantes. Elles ont la caractéristique de pouvoir se déployer de façon très rapide. Elles permettent d'engager plus de 200 kg par jour d'hydrogène distribué et elles se mettent en place de façon très, très efficace puisqu'elles ne nécessitent pas d'utilité particulière si ce n'est des choses relativement simples à déployer pour le client final. La deuxième sont des stations pour lesquelles on va pouvoir adresser à la fois le besoin de nos clients, que ce soit pour des pressions 350 bars ou 700 bars, que ce soit des flottes de petite taille ou de taille moyenne, donc on est capable de déployer des solutions de façon à pouvoir répondre à des besoins moyens journaliers pour adresser notamment des flottes de taille moyenne. On a également des stations de grande capacité qui sont d'ores et déjà mises en place à certains endroits pour nous. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet d'adresser des flottes relativement importantes et de répondre à des besoins de marché qui peuvent être ceux, bien évidemment, de la mobilité lourde et qui adressent des segments tels que les transports, tels que les trains, tels que le fluvial et le maritime, voire l'aéroportuaire quand les choses se présenteront dans ce sens-là. Alors un salon comme Evolution est très important. On le voit d'ailleurs par la densité de visiteurs et d'exposants. Ça permet d'agglomérer finalement les gens qui sont porteurs de projets, les gens qui apportent également des solutions et de faire en sorte qu'ensemble on puisse se parler de façon à ce qu'on puisse définir à la fois les besoins d'aujourd'hui, les projets de demain et que l'on trouve les meilleures solutions pour ce marché de l'hydrogène qui est encore une fois une des possibilités et réellement un marché en devenir sur lequel Air Products est véritablement inscrit.